what the fuck? Oh, mais c'est quoi qu'il fait là, lui? Il est pogné là, le 400 coins. Thank you very much. Hey, toi, tu m'as fait une scratch? Fuck you. Oh, sacrement, man. C'est les petites. Oh, tabarnak. Pour de vrai, présentement, là, ça me tenterait de monter mon runecrafting pour avoir jusqu'à 30 runecraft. Puis enfin utiliser mon anticlem parce que je crois que c'est 30, hein, me semble. J'ai checké la dernière fois, oui c'est 30, ok. Parce que minimalement pour utiliser la lampe, je l'avais déjà expliqué, mais il faut que t'aies 30 dans un skill. Ça me tente pas de l'utiliser dans l'agility ni le smithing. Puis c'est les deux seuls skills que je pourrais techniquement utiliser mon anticlem. Mais tu sais, j'ai le goût de l'utiliser comme dans un skill qui est fucking chiant, tu sais, runecraft. Que j'ai dit comme quoi que personnellement c'était mon skill que j'aime le moins. Fait que c'est ça que je vais faire en fait. Je vais porter. Et où ma pickaxe est là? J'ai encore une pickaxe en bronze, right? J'ai pas d'autre pickaxe, hein? Non. Ok, bon ben, ça va faire, je suppose. Bon ben, avec ma sweet ass pickaxe de bronze merdique, on va aller miner des rune essence. I think it wants some antenna. Oh, tu sais quoi? Ok. C'est ça qui est chiant avec les chats, c'est qu'il faut que tu t'en occupes partiellement, tu sais, c'est comme, t'es en train de faire des affaires, mais là, ton chat, il t'énerve, puis, alright, ok, good, parfait, puis, tu veux-tu bouffer mon tabarnak, tiens, je te donne un caramwenji, parce que t'es fin, puis tu vas me servir pour 200 fucking death runes. Ouh, c'est lent! Holy shit, que c'est lent avec une bronze pickaxe, man! Holy shit! Tu sais quoi? Ma calice m'a miné au moins 500. Oh yes! 500, let's go! Ok, pour vrai, ça c'est ma dernière inventory de runescence parce que pour de vrai, je commence à être fucking écœuré de miner des runescence avec une bronze pickaxe. C'est long as fuck. Par contre, pour de vrai, j'ai été un peu j'ai pas porté vraiment attention à combien de rune essence que j'ai miné. Je pense que j'en ai comme quelque chose comme une 800 environ. Je sais, j'ai voulu aller pour environ 500, mais je suis rendu à 832 plus ça, ça va faire 858. Qu'est-ce qu'on va faire avant d'aller runecrafter toutes ces bullshit de rune essence là? J'ai décidé de vouloir faire une mini-quest qui s'appelle... c'est Enter the Abyss. Enter the Abyss, dans le fond, c'est pas une quest obligatoire dans RuneScape, mais si je la fais, elle va m'offrir 1000 RuneCraft Experience, ce qui est quand même très bon. Ça va me rendre un level 9 comme qu'est-ce que j'ai fait avec Slayer puis Hunter. Fait que c'est ça qu'on va faire. Le seul problème, c'est que pour commencer la quest, il faut que j'aille dans le Wilderness. C'est pas level. C'est pas genre level fin fond de Wilderness, là. C'est genre level 4 à 7, mais quand même. Je vais quand même emmener de la food, juste au cas où. Bon, ben, let's go. J'espère juste qu'il n'y a pas vraiment de personnes de mon level. Je penserais pas, là, pour de vrai. Ils sont tous haut level, là. Pourquoi le jeu il lag, là? Ok, ça c'était weird. Ça me tente pas de mourir dans le Wilderness, puis ça me tente pas de mourir lagué. Ok, il faut que je parle à ce mage là. Là, j'espère qu'il n'y a pas vraiment. Ok. Ok, c'est tout. C'est tout. J'ai juste ça que je vais faire. Bon, ok. D'abord, je décolle de là au plus sacré. Parfait. Je pensais qu'il fallait que je reste là pendant un petit bout, mais non. Ok, maintenant il faut que j'aille à Varrok. Donc, techniquement, ma mini quest est déjà finie. Je fais juste remporter cette orbe là à le dude justement que j'ai vu à Varrok là. Fuck off, si que tu me gosses pour de vrai, tain, fuck you. ça, je vais parler à lui. Puis il va me donner 1000 d'expérience dans crafting. Anytime soon. Come on. Please. Ah. Well, ok, d'abord, m'en revenant. Parce que j'ai pas assez de place dans mon inventaire. Be right back. Ok, donc, parfait, et voilà, oui, ok, good, oui. 1000 d'expérience, yeah, est-ce que je suis rendu level 9? Yes, parfait, man. Maintenant, je peux faire des Earth Runes, mais j'ai même... Techniquement, je pourrais faire... Hair, Mind, Water,
Mist, on s'en calisse. Puis Earth, je pourrais faire ces quatre-là, dans le fond. Le problème, c'est que Water et Earth, je peux pas encore les faire puisque j'ai pas encore le Talisman. Pour vrai, ça me dérange pas trop parce que Water et Earth, c'est comme... Pour de vrai, j'aime mieux faire des Mind ou des Air parce que des Air, t'en as tout le temps de besoin. Des Mind, c'est ça que je vais avoir de besoin quand que, pour faire ma magie de début. Mais sinon, je peux toujours en acheter. Genre, ce gars-là, il vend des Mind pis des Hair, mais ça coûte combien? 330 pis 430. Fait que techniquement, les Hair sont plus chers. Ah! Je pensais que les Mind étaient plus chers, mais bref, whatever. Bon, enfin, on va aller enfin RuneCraft. Encore mon pire skill ever. En début de game, c'est toujours pas super. Tu sais, je veux dire, tu level up quand même assez facilement. Mais tu sais, quand t'es dépassé le level 60, c'est long en tabarnak. Mais là, je suis juste level 9. Puis je sais que tu peux faire des multiple runes. C'est à 11 que je peux faire 2 air runes per essence. Ok. Fait qu'à partir de 11, je vais avoir 2 fois plus de air runes parce que chaque runes que je vais offrir au air talisman. Enfin, au Air Altar plutôt. Ça va me donner 2 Air Runes. Ce qui va être extrêmement bon. Puis parce que pour de vrai, je compte très bientôt utiliser de la magie. Après ça, je m'achète un gear de magie. Puis je suis prête à faire de la magie, littéralement. Oh shit, your kitten has grown into a healthy cat and can hunt for itself. Je disais pas au shit parce que maintenant c'est rendu un 4, mais maintenant je peux l'exploiter. Maintenant je peux l'emporter à des gens très bien. By the way, je suis maintenant level 10 en runecrafting. Et voilà. Parfait. Level 10, baby. Je peux faire des dust runes, m'en fous, pour vrai, man. Empty, des shit. On va remplir des shit. On s'en va au monastery. Et puis je m'en vais vendre mon chat. Holy shit! Bon ben, bye bye mon chat. Bon ben, adieu. On va se quitter pour toujours. J'ai un chat que je pourrais te vendre. Bon ben, c'est tout, man. Bon, il va me manquer pour vrai. C'était mon précieux. Il est vendu pour 200 fucking death runes. Fuck, man. What the fuck sont mes death runes? Yo. Faut pas des runes, je m'en calisse de mon chat, man, je faisais juste ça semblant. Bon ben c'est l'heure d'aller en acheter un autre. man. Pour vrai, juste pour le fun, là, mettons si je fais un price check des 200 death runes que j'ai, c'est quand même environ 50k, c'est quand même énorme, là, c'est beaucoup. Si jamais il y a des gens qui veulent se faire du cash très facilement, écoutez, ayez des karamwanji avec vous autres, occupez-vous de votre chat quand il a besoin d'attention, puis d'attitude, vous avez 200 death runes. Après 3 heures, le chat il est rendu en adulte, 3 heures in-game. Pis d'attitude, je veux dire, t'as juste à faire des petites affaires toi pendant ce temps-là, pis éventuellement le chef va grossir tout seul. Ah shit, what the fuck man, t'es pas bon. Ah c'est ça, nage vers la rivière. Yeah, 2 de dommages. Pour avoir tombé un fucking lac. Même pas. C'est genre un petit marais, un petit ruisseau. Pis l'eau a même pas de l'air de bouger, genre l'eau a même pas de l'air de faire du courant. What the fuck, man? Comment t'as fait pour prendre 2 damages là-dedans? Yo, what's up, Gertrude, man? Donne-moi un autre chat. Peu importe lequel. Kitten. Ah ouais, je sais, ça coûte 100$. Oh, il est noir. Ah. Nice. Yo, what's up? Ah. Bon, ben, un autre chat à exploiter. Let's go, boys. Un autre chat qui va me rapporter 200 fucking death runes. Tout, 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 tout. Man, il me manque en plus même le fucking robe taupe de mon wizard set, esti. Calisse que je suis laid. Oh my god. You're a wizard, Harry. Calisse. Holy shit, man. Ah, c'est bon, je vais finir mes air runes, là, pis...
m'a joué à Donjons et Dragons plus tard, là. Pour, en fait, même tuer des wizards, puis essayer d'avoir le top. Alright, level 11, runecraft. Enfin, je peux now crafter 2 air runes par essence. Fait que si j'ai empty ça, là, au lieu d'en avoir 27, je vais en avoir 30. Yes! Oh, sweet baby, ça va tellement faire du bien, man. Bon, je suis déjà écœuré de faire du runecrafting. Dites-vous que j'étais level 11 tantôt. J'avais environ 850 rune essence. Je suis 14 et je n'ai 600. Ça veut dire que je n'ai fait à peine 250. Là, ça va être vraiment ma dernière inventory for real. Mais je n'ai fait 250 environ. Puis je suis déjà fucking écœuré. Vous voyez à quel point que ce skills-là, pour vrai, je le déteste à mort, man. Vous savez quoi? Je vais prendre des mine runes tout de suite. Des hurt runes. Puis des water. Nah, fuck les waters. Bref, c'est ça que je vous dis. Personnellement, le runecrafting, là, ça fait même pas 15 minutes que je fais du runecrafting. Ça me gosse. Ça me purge. Fait que fuck le runecrafting. Ça va être ma dernière inventory, puis après ça, on va aller faire Magic Missile. Magic Missile. Avec mon fucking habit de mage, man. Bon, je suis censé de monter un level. Là, je pense que je suis level 15. Exactement. Je peux faire des smoke room. I don't give a shit. Je peux faire des smoke room pour smoke mon crack. Je veux dire, fuck, man, il faut 15 runcrafting pour smoke du crack. Whatever. Fait que je vais aller chercher des scènes à la banque, puis m'aller acheter des mine runes, quelques earth runes, parce qu'en fait, ça me tente d'être 13 magic. Your kitten is hungry, yo. Ok, d'abord, il est où mon kitten? Ah, ok, il est là. Parfait. Tiens, un poisson. Tiens, t'es content? Et voilà. Est-ce que j'aime les caramwenji, man? Mais c'est ça, parce qu'en ce moment, je suis 9. Ben, en fait, je suis 10. Mais la meilleure magie que je peux faire, c'est Earth Strike, qui est une magie de level 9. J'ai goût de me rendre à au moins 13. Parce que 13, je peux faire Fire Strike. Puis j'ai acheté une Fire Staff tantôt, ou Staff of Fire, whatever, comment vous voulez appeler ça. Puis pour de vrai, qu'est-ce qui est cool avec les Staff of Fire, c'est que j'ai infini de Fire Runes. En fait, pour ceux qui jouent à RuneScape, ben vous le savez déjà. Je sais même pas pourquoi je vous explique ça. Je pense que j'explique ça aux gens qui regardent ce let's play là, mais qui connaissent pas beaucoup RuneScape. I guess. Bon, tant qu'à faire, tant que je suis à la banque pis tout, juste à fill up un autre inventaire de runecrafting, puis on va aller faire d'autres runes. Why the fuck not? Puis après ça, on va battre des wizards. Ouais, Betty, man. Je veux tout acheter ton fucking stock. Come on, Betty, man. Betty, arrête de t'éloigner, putain de merde. Ok, je vais acheter un nombre... Attends, 600, c'est pas mal even, ça. Combien de Mine Rune Pack? Attends. Si j'en achète un, est-ce qu'il drop? Non, il drop pas. Ok. Vous voyez à quel point que je suis fucking conservateur, genre. Ok, je vais en acheter... 6 packs. Oh, 6 packs, vous voyez, qu'est-ce que je viens de juste de fucking dire ma fucking gueule, man. Oh shit, j'avais 10k. Maintenant, je suis juste rendu à environ 6k. Oh fuck, j'espère que la magie que j'ai achetée a valu la fucking peine. Bon ben, c'est l'heure d'aller attaquer des sorciers, man. Pour de vrai, je fous de Poudlard dans le feu, tabarouette. Bon ben, on va voir comment ça va aller, hein. Holy shit, man. Je crois même que ces bottes-là sont meilleures que mes bottes arc-en-ciel. Je vais juste checker quelque chose, ok? Yes. Comme là, mon magic attack est de 15. Puis avec... Ah, c'est ça. Mais les bottes arc-en-ciel, c'est juste bonne pour le melee. Mais c'est pas bon pour le magic puis le range. Ok. Bon, ben, je vais prendre les bottes ordinaires d'abord. Bon, ben, c'est le fun à savoir, ça. Holy shit que ça va faire dur, man. Oh, fuck. Oh, ciboire. Oh boy, par contre, il est vraiment en train de... Ouh! Ouh! Pour de vrai, savez-vous à quoi ça me fait penser, man? Ah, je vais mettre une... je vais mettre un vidéo clip par-dessus, là. Victus Emperor! Seven Sorcier!
Ah mais pour de vrai là, ils me font fucking wrecked. Je pensais pas que ça allait être pénible comme ça. Yo, ok, je l'ai tué. Non, pas vrai. Il lui reste quelques HP puis il est mort. Ok, good, il est mort. Le premier fucking wizard que j'ai tué. Holy shit. Magic level is now 11. Puis, holy shit, man, juste battre un fucking wizard, ça me vide quasiment toutes mes fucking gâteaux. Holy shit! Oh fuck! Oh! Harry Potter intensify! Holy shit, man! Oh, je suis vraiment fucking lucky, man! Mon troisième wizard que j'ai tué, puis Blue Wizard Robe. Yes! Yes! Pour de vrai, man, je suis full set, je suis full wizard. Je sais, c'est du wizardry de marde, là. Je sais, c'est un set de merde, qu'est-ce que j'ai en ce moment, mais quand même! Ok, pour vrai, j'ai pas eu grand loot à part de ça, sinon, avec les wizards, aucune chance. Je suis même pas encore level 13, comme qu'est-ce que j'ai voulu. L'affaire, c'est que j'ai quasiment tout fucking mangé, toute ma bouffe. Que qu'est-ce que je vais aller faire? Je vais aller à Arduin. Puis je vais aller voler des gâteaux. Pour de vrai, c'est ça que je vais aller faire. Pour replenish ma food. Parce que là, pour vrai, j'ai plus aucune fucking food dans ma banque. Même plus de gâteaux. Même plus de pain. Même plus de tarte. J'ai sweet fuck all. Fait qu'on va aller voler des gâteaux. Yeah, 17 thieving. Bon, pour vrai, je pense que là, j'ai assez de food. En plus, je suis rendu 18 thieving à cette heure. Pour de vrai, je m'en vais déposer mes affaires. Je sais quoi, je vais aller battre à place. Je pense que je vais aller battre des simples men et puis des women à Lumbridge. Pour deux raisons. Premièrement, ça va être plus facile que des fucking wizards. Puis anyway, j'ai déjà eu mon Blue Wizard Robe, fait que je suis bien content. Puis deuxièmement, les fuckers peuvent dropper des Easy Clue Scrolls. C'est rare, mais quand même. On va essayer d'en avoir un. Fait, juste à me statcher ici. Et voilà, on agresse la femme. Et puis, that's it. Puis elle peut plus rien faire. Et sans défense, ses amis qui sont alentour doesn't give a fuck. Pour de vrai, man. Je suis en train de littéralement tuer quelqu'un en plein milieu de la route. Et voilà, t'es morte. All your loots are belong to me. Ha! Je l'ai one-shot, esti, man. Ouh! Her talisman! Ça, c'est bon. Alright! Dude, je pensais pas que les men pis les women en droppaient. Maintenant, je vais pouvoir faire mes propres Earth Runes. Ok, lui, ça va être mon dernier man que je vais tuer pour de vrai, parce que après ça, ça me tente de faire quelque chose d'autre. J'avais le goût de me rendre justement à 16 HP. Ah, et tu l'as, man. Et voilà. Fishing bait, bone, whatever, don't give a shit. Regardez cet inventaire majestueux. Avouez que vous êtes fucking jaloux, man, de toute la marde que j'ai pris. En fait, je m'en vais au General Store, vendre quelques petites affaires, puis on va faire une quête après ça, parce que pour de vrai, je sais, en fait, il y a une quête là-dedans que je crois que c'est Witch House. I must be able to defeat a level 53 enemy. Puis c'est en plein ça, parce qu'au début, il faut que je parle justement à un petit garçon. Cette quest-là m'offre quand même beaucoup de hit point experience. Mais, need to defeat the 53 enemy, good luck me, I guess. Oh, c'est quoi tu veux, toi? Ben, ça, c'est un helmet. Il m'a donné un cut emerald. Ben, merci beaucoup, monsieur. Aucune idée c'est qui. Ben oui, si vous êtes intéressé maintenant, j'étais level 12 combat, maintenant je suis rendu 16 et demi. J'ai passé de je sais pas trop quoi à 20 magic. What the fuck, y a des air runes là? Il y en a toujours un là habituellement. Ouais, il est toujours là lui habituellement. Ok, whatever. 14 à 16, puis il me semble que j'étais 10 prayer jusqu'à 12. Fait que tout ça est bon. Puis j'ai pas unlocké de nouveau prayer, mais par contre, comme je vous dis, on va faire Witch House. Ouais, on va aller la faire. J'ai aucune idée si elle est dure, mais genre au mode que je suis en ce moment, tu sais, je peux faire quand même Fire Strike.
Mais je suppose que tant que j'ai de la bouffe, d'après moi, je vais pouvoir tanker une couple de coups, puis tout va bien aller. Bon, je suis prête pour la quête. Pour de vrai, j'ai amené full fucking inventory de cakes. Cakes, pour vrai, c'est la meilleure food que j'ai en début de game, pour de vrai. Pour cette quest-là, j'ai besoin de cheese, donc... ben, voilà. That's it. Fait que j'ai ça. That's it, je m'en vais commencer la quête. Bon, alright, pour commencer la quête, faut que je parle à lui, là. Alright, qu'est-ce que tu veux, man? Oh, t'as de l'air triste. Oh, c'est qu'est-ce qui se passe, petit enfant? Regardez ça, man, comment qu'il est fucking laid. Oh, mon Dieu! Voulez-vous savoir qui me fait penser? Il me fait penser au fucking kid de Walmart, genre qui yodeling, est-ce-tu? Holy shit, man, c'est fucking lui, man! Oh, il est laid! Oh, il est fucking laid! Ok, whatever. Ok, good. Fait que j'ai commencé à quête. Pour de vrai, je m'en souviens plus de comment faire cette quête-là. Should find a way into the garden where the ball is. Mais tu sais, techniquement, la balle est là, mais... Puis c'est eux autres qu'il faudra que je batte. Fait que c'est pour ça que je me pose la question. Est-ce que je vais être assez fort pour les battre? On va voir, on va voir. Pour de vrai, aucun regret, man. Moi, je fonce dans cette quête-là. Si je meurs, I don't give a shit. Non, pour de vrai, si je meurs, je vais être triste en tabarnak. Ah, oh, c'est vrai, il y a d'autres fucking ennemis level 20. Ah, oh, sacrement. Oh, non, 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 non. Ah, il faut que j'aille là, moi. Il faut que j'aille là.